Bonjour, ce soir c'est un vol de test du DR400 en version 160 chevaux. Je prends les conditions du 8 septembre à 10h. C'était le vol d'hier, avant-hier pardon, et on va voir ce que ça donne dans le DR, donc c'est pas un DR400 pardon, le Calais, et avec le track hier activé, je l'ai mis à jour. En fait, il faut prendre la dernière version, bien sûr, et penser à faire Update Games. C'était vraiment mon cas les jours précédents, donc forcément, ça passait pas. Enfin, je dis ça, mais je ne l'ai pas encore essayé. On va bien voir. Surprise. Pas pensé à sélectionner la place de parking, c'est dommage. On verra bien où je suis. De toute façon, c'est l'ogne, mais c'est pas l'ogne. Ah, il est un petit peu long à charger quand même. Hein. Oh, c'est infernal cette histoire. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de scène à régler. Ça, c'est pas mal ça. Ça fait bizarre d'ailleurs un petit peu, mais par rapport à P3D bien sûr. Mais bon, je pense qu'on va s'y habituer rapidement. Voilà. Donc je vais garder les réglages antérieurs, ça fonctionnait bien. Et on optimisera encore à l'occasion pour gratter des FPS en moins certes, mais de la qualité en plus. Avec une cible de 30 images par seconde, c'est très bien. Voilà, il m'a mis en 26. Eh bien c'est excellent et on constate que le trackier fonctionne. Très bien, c'est parfait. Ah, je suis en 26. Bon, alors, pour le coup, je vais me mettre en situation un peu plus correcte. Voilà, hop là. C'est pas mal. J'ai les pédales. Manche. Alors, on fait ça plutôt sur le point d'attente qui se trouve juste derrière. Alors, je vais pas pouvoir faire un Yankee, je connais pas. En tout cas, la météo d'hier ressemblait bien. Avant-hier, d'essayer, ressemblait bien à ça. Alors, on positionne la chaise. Juste ce qu'il faut comme il faut, voilà, l'horizon à peu près comme ça. On va essayer d'être précis quand même, puisque... Voilà, alors... Voilà, 340 c'est bien, clac clac, on est sur du 260, c'est parfait, la fréquence on s'en fout. Le moteur donne, les RPM sont ici, c'est très bien. Entre 3 et 4 pour le décollage, voilà. On se met à 1200 tours. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que je voulais voir encore? Oui, c'est ça. On part donc sur ce vol-là qui consiste dans un premier temps à aller sur la route 115, bref. Aller venir faire la panne moteur ici, donc j'ai monté 2500, je vais respecter autant que possible ce qu'on a fait en réel, donc voler ici 1400-1500, monter 2500, arriver ici, reconnaître rosé en brie, poum, se poser, enfin se faire le toucher, hein. Normalement c'était ça, de toute façon ça peut pas être plus près puisque là il y a Fontenay. Remonter vers celui-ci, donc là je m'aiderai un petit peu aussi du plan de la map pour être certain. Il y a Morcerf là, donc en fait on venait ici, à partir de là on devrait voir le champ de posée qui est juste ici, faire la manœuvre, entourer Morcerf, faire ceci, là 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 là, exactement comme hier, enfin, mardi décidément, ensuite repartir, monter là et venir se poser. Ouais,
se poser quelque part bah, là-dedans d'ailleurs. Vous faites le point de deuxième touché, il est là. Dame Martin sorti, de toute façon on était dans ces reliefs. Et ensuite rentrer. Je ne me ferai peut-être pas 5 ou 4 pardon, basse hauteur, mais au moins 1 ou 2. Et on verra bien. Le moteur il est chaud. Le moteur, température, pression, plutôt température. Il est chaud bouillant, c'est parfait. Il n'y a pas de tour. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai libéré les freins. On met plein pot. Hop là, il faut régler ça aussi. Alors, pas d'alarme. Le patin il s'active. Le vent il est de face. Ouais, c'était ça. Olé. Alors là, il a un comportement bizarre. Je ne l'attendais pas du tout. Qu'est-ce qu'il me fait? Je sais pas. Ok, bon, ça commence très fort. Pourquoi pas? Ça commence comme ça, c'est mal barré. C'est mal barré, mais on est en vol. Je récupère à peu près la trajectoire normale. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir le trackier. 700 pieds. Ok, on rentre. La pompe. Les paquets. Ouais. Voler. On cherche donc 1400 pieds. Sur du 330 même. Voilà, ça c'est le document, le bâtiment avec le damier en principe. Plein pot, il a 2600. Malade, là je me suis chopé un petit rhume donc je tousse un peu à l'occasion. 1400 pieds, on affiche l'assiette. 2450 tours, 2500, ça doit être par là. On pense. Sur du 120. On a le point écho à gauche. Il tire à droite. Il mettait du pied. Ça m'en rend compte. Ok, on est réglé. On est trimé. Par là, normalement c'est plutôt 2700 les RP max, mais bon. Ok, on est sur du 90, ça va. Ah non, 120, c'est bizarre. On a bien les temps à droite là, parfait. Le patelin dont j'oublie toujours le nom. Fais attention.
À droite, il y a la ville, c'est parfait. Là, on a quitté l'Ogne. J'essaye d'ajuster ça au plus précisément et cette saleté d'écran qui s'éteint encore. On est toujours sur la route 120, tout à l'heure c'était un 115. Voilà. Alors, on va en profiter pour regarder un peu la trajectoire. Vas-y mon gars. Très bien, c'est cette route là. Ok pour les temps d'Armanvilliers. Là je suis un petit peu descendu. Ça doit être les hangars. Ils sont juste avant Fontenay. Fontenay, tiens, qu'est-ce qu'il me fait 17 FPS? Pourquoi il me fait descendre? Le premier piqué ou quoi? Oui, alors 2700 évidemment c'est celui des R400, mais c'est ça, c'est un cadet à la base. Je peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. On est 110, attention, pas trop s'éloigner à gauche. On va avoir Coulommiers quelque part sur la gauche là-bas. Ah tiens, là il y a un petit patelin que je connais. Faut y revenir là, ça y ressemble. Ouais, c'est celui-là. Même ça c'est fait là. C'est puissant ça. Essaiera d'y revenir tout à l'heure. Ok, j'ai repéré, c'est le village là. Ça s'appelle en boudel là, ce sont les aigres fins et il y a la petite fermette là avec le champ et tout. Wow, puissant. Alors on est toujours sur du. Oui, alors on a un peu dévié. Voilà, ah ben voilà. Donc ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce sont les bâtiments avant Fontenay. Fontenay qui se trouve là. Donc le terrain est ici. Très bien, on ne doit pas être loin de la route. La voie de chemin de fer là. Très bien, donc là on arrive sur la voie de chemin de fer. Il est où? Ok, c'est ça. Et d'ailleurs, ben, la route. Ce qui fait qu'à partir de là, on va pouvoir grimper. J'aurais dû prendre la carte OAC pour vérifier ça en temps réel en même temps. Ok, allez hop, on monte 2005. Fontenay là. L'aérodrome est ici. Alors on vérifie la route. Hier j'étais sur du 100 à cet endroit là. Alors décidément hier c'était mardi. Je m'en rappelle bien puisque je me disais garde le 100, garde le 100. Alors par contre une assiette de montée, ça serait plutôt comme ça. Voilà. Et on tape dans les 80 nœuds, c'est-à-dire 150 km/h. C'est-à-dire, voilà, à gauche ici, ça se voit bien. Bon, alors là, je cherche un comportement de DR400 sur un cadet. Hein. Je sais pas ce que ça vaut, mais. Il est où l'altimètre hier ? Route 90. On arrive 2400. Fontenay Trésigny en principe. Sur du 2500, je suis parti un peu à l'est. Ok,
Ok. On affiche 2450, hop, l'assiette. Je vérifie qu'on arrive bien dans la zone d'exercice, c'est ça. Donc ça c'est Rosé Ambry qui va apparaître sur la droite. Alors évidemment, je vais chercher le même endroit pour faire un comparatif virtuel réel en partant de la même altitude de préférence. Donc là, j'ajuste le positionnement pour l'exercice. Et je cherche la N4. C'est quoi cette chose là? C'est une rivière, c'est quoi ça? Non, c'est une route. Bon, en fait, on a le temps. Ça semble pas compliqué. Devant moi, il y avait un patelin, une petite ville. Que je devrais retrouver. C'était Vaudois-en-Brie. Est là, ok, très bien. Eh ben, on commence l'exercice, sauf que je suis à 2002 et pas 2005. Voilà, alors attends, alors, on va essayer de se mettre à 2550. Et je vois ni le champ. Ok, donc on met la réchauffe. Et on cherche les 150 de vitesse de planer. Et le champ, il est où mon champ? Là, il y a un truc bizarre, c'est que c'est un peu plus à droite. Pourquoi pas? Je cherche un champ qui n'existe pas forcément là-dedans. 1200 pieds. J'y vais dessus a priori, mais la route elle est peut-être là-bas et le champ il serait peut-être par là. Ok, 150, bon, alors on va remettre un peu les gaz histoire de trouver la route et d'avoir le visuel. D'accord, ok, le champ il est peut-être devant en fait. Ah ben voilà, tiens, ça y est, j'ai trouvé la route. Là-bas, il y a celle-ci. Voilà. C'était quelque part par là, en fait. Je pense qu'on est correct par rapport à la trajectoire recherchée. C'est ça. On monte sur un 330. Plein pot. Bon. Ok, tant pis pour le planer. Par contre, il y a un truc qui va pas, c'est la rivière là. Il n'y a pas de rivière comme ça, là-bas.
suis pas le seul à être malade ici. Donc là, on va chercher à aller sur Morserve, hein, un peu plus à gauche. Et là, on pourra comparer. Voilà, une rivière comme ça, il n'y a pas. Hein. J'ai pas vu ça hier. Hein. Morserve, un peu plus à gauche, disais-je. Par contre, une fois qu'on sera sur la ville, je connais la trajectoire. C'est juste retrouver la ville. Donc on est monté à peu près à 1800-2000, puisque justement il a fallu redescendre. Ah, on dirait que ça libère un petit peu de puissance quand même. Et sur du 300, les champs. Ok. Bon, alors 300, c'est un peu trop quand même. Voilà. Là, c'est la grande forêt. Morserve. Par là, donc on va faire une trajectoire en robant Morserve, venir comme ça, s'aligner. Le champ en question, c'est peut-être pas celui-ci, puisqu'il y avait des maisons là, des bâtiments. Là, il doit y avoir un petit village, et par le nord là-bas, il y a Coulommiers, et là on a la route qui mène. Ouais, je l'avais reconnu. Bien, alors là je suis un peu trop parallèle et du mauvais côté. Voilà. Là, ça me parle. Alors à côté de Morserve, il y a la voie de chemin de fer. Morserve, la voie de chemin de fer, voilà, ça se présente bien. Là, il y a l'obélisque et là, il y a la route qui précède l'obélisque avec cette forme de trouée, on pourrait dire ici. Peut-être. Ok, Morserve est là, on est 1700 pieds, c'est bien. C'est parfait, je reconnais le champ, il est là, avec les maisons. Donc en fait, on va entourer Morserve, faire ça, venir ici pour évoluer. Ça, c'est le champ de Panan Campagne. On a 1800 pieds. Ok, très bien. La pierre me disait, dis donc, il va falloir redescendre, puisqu'on a la classe A qui est 1500 pieds, pas loin de moi. Donc je réduis, je mets la réchauffe, et de toute façon, la pompe, puisqu'on passe sur le. Et on va se mettre à 1200 pieds. Ok, le village, il faut revoir les caméras de droite. Très bien. Alors, alors là, j'étais un peu plus haut quand même. Je suis descendu beaucoup plus rapidement. Ok, on attaque la trajectoire. Donc ce champ-là, je l'avais repéré et je l'ai retrouvé aujourd'hui. Bon. Donc, un petit peu de trim, c'est drap. Et la voie de chemin de fer, elle est où ? Voilà, 10 fps. Un truc violent qui se passe par moment. Pourquoi il m'a reculé ? La vue. Ok, on en reconserve. 1300 pieds, c'est bien. J'étais plutôt à 1200, donc on voit très bien mon champ ciblé qui est ici. Et là, il s'écroule. Hop, là. Arrivé ici, j'étais sur une trajectoire quasi sud. Petit village à gauche, c'est nickel. Morserve juste à droite, parfait. Et là, on prend une trajectoire 170. On repère le champ.
on entre dans la zone et on va commencer à compter les secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauf que là, j'étais déjà en configuration 150 km/h et pas aujourd'hui. Ok, donc là, j'observais le terrain. Ah, par contre, là, il n'y avait pas d'arbre à l'autre bout du champ. Derrière, c'était plus, c'était plat. Il y a de la verdure, mais pas comme ça. Devant, il y a un petit patelin pas loin. Je suis, bah d'ailleurs, ça serait mieux si j'étais en configuration. Ah, pour poser, c'est ce qu'il faut faire quand on est en pleine campagne. Voilà, on va trimer tout ça. Le terrain, je l'ai perdu. Ok, traverser base maintenant. Voilà, j'ai retrouvé le terrain. On y va. Voilà, je suis presque en bonne configuration. Il est là. Ici. Bon, jusque là en tout cas, ça ressemble énormément. Le comportement de l'avion n'est pas si mal que ça. Ah oui, c'est sur le 1700. C'est sur le 160 chevaux. On est 1200 pieds, en tout cas les maisons sont là. Morcerf est bien là, il y a un petit patelin en face. Et là, je suis en train de me casser la figure. Nickel. Très bien. Il y a même cette espèce de petit dégagement devant là. C'est parfait ça. La maison positionnée comme ça, parfait. Donc là, il n'y a pas d'arbres normalement ici, hein, c'est des champs. Ils ont mis des arbres là, mais l'autogène a mis des arbres, mais il n'y en a pas. Par contre, il y a bien la route, qui pour le coup est beaucoup plus marquée, mais question de colorimétrie des champs. Donc, on va moins vite, on voit que l'espèce de petite route comme ça, qui a une forme arrondie, très bien. Je suis 100 pieds, 150 pieds trop bas, c'est pas grave. Donc maintenant le but c'est d'enrouler Morcerf, de se mettre à 1200 pieds, j'étais 1200 pieds à ce moment-là, 1300 ici mais après 1200 de mémoire. Et en tout cas on était en configuration vent arrière comme il se doit, à la bonne distance en fait. Voilà, allez hop, on vire en vugue. On garde 150 km/h. Là voilà, l'axe. C'est pas compliqué, on couvre un nord-sud. Je vais aller sur l'ouest. Bien, 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 bien. On est toujours dans les idées de la météo là. On perd pas de vue le terrain. Il est à gauche, arrière. J'ai repris de la vitesse. Ok, allez hop, on va au sud et on se met en vent arrière. On fait attention à l'arc blanc.
cherche le 170, 180, oui. L'arbre 1200 pieds, et on va voir qu'on se trouve en principe avec le terrain en haut d'aile, voilà. Un poil bas et un poil convergent, mais le terrain est grosso modo en bout d'aile, et celui-là. Allez, 1200 pieds. Donc devant, on a toute la forêt, c'est parfait. On perd pas de vue le terrain, il est là. Bon, décidément. Se mettre sur du 1900. Assiette. Ok, on ne perd pas de vue, il est toujours là. On est 1200 pieds, un poil rapide, mais vers le sud. Stable. Ok. Allez. On reste à l'altitude. Là, 1200 pieds. On commence à descendre un peu quand même. Non, pas maintenant. Je suis déjà convergent. Maintenant. Et là, je réduis un petit peu et je cherche à m'aligner. Voilà, comme ça. Allez, j'ai mis les deux crans, j'ai la pompe, j'ai la réchauffe, on garde 150 pour le moment. Il est le retard, il est là. Attention, on m'a dit de faire gaffe à la cime des arbres. On est stable. Un peu bas. 150. Bas. Je crois qu'on était à 600 pieds une fois qu'on a fini l'exercice. Donc on est sur du 140, c'est bien. On s'approche, c'est stable, moins 400 pieds, minute. Ok, ok, parfait. Allez, j'aurais dû, on va chercher. Ah bon, 600 pieds, même. Peut-être. Voilà, ça c'est la photo. Et on fait une remise de gaz. Assiette. Ouais, alors évidemment, là, on enlève un cran. Pas configurer la touche, c'est pour ça. À la souris, c'est pas la même histoire. Ok. Un cran, plus de pompe. Pardon, un cran, la pompe, plus de réchauffe. Et on avait ouvert un peu à gauche ici, gentiment. Montée initiale. 330. Voilà. Le vert est passé, on éteint. On cherche 1300 pieds. Ok. Alors, le terrain suivant, il est où? Ils le reconnaissent quand même. Très bien, 1300 pieds.
crois savoir où il est. Voilà. Je regarde devant. Ok, visuel. Je pense que c'est celui qui est là, avec la petite route et tout ça. Là. Très bien. Hop, on est déjà à 1400. Et là-dessus, on remet la pompe, la réchauffe. Et Pierre, il me dit, pose-toi. Ok. Alors, on cherche le 150, hein, parce que c'est du 89. Alors, devant nous, il y a un terrain, mais il est un peu loin. Je ne reconnais pas bien celui-là, mais lui, c'est plutôt bien. On est sur du 150. Ok, on trim. Voilà. Allez, tu tiens le 150, c'est parfait, garçon. En principe. Les arbres ils sont vraiment pas loin, il y a cette histoire de rivière encore là. Ok, là je remets un peu de gaz, sinon tapis. La peau. Ouais, ça ressemblait à peu près à ça. On est en dessous du décor. Ouais, ça doit être ça. Pas cette grosse rivière, on enlève la pompe, allez, la réchauffe, là il est complètement cabré. Bon, pas sûr d'avoir retrouvé le bon endroit. Cherche 1200 pieds puisqu'on rentre à l'œil. La pression est bonne, la température est bonne, l'essence, pression d'essence est bonne. Ah, hier on n'avait pas beaucoup d'essence non plus. Voir la route Villeneuve-le-Comte quelque part à droite. Ah tiens, je vois la trouée et je vois Villeneuve-le-Comte ici. Voilà, ça c'est la route à tous les coups. Bon, c'est une supposition. Ouais. Ça se trouve, j'ai dépassé. Ça, ça va être le carrefour de l'obélisque, ça. 1200 pieds, gars. Villeneuve-le-Comte. Ok, on est sur la même trajectoire, 1200 pieds. Vitesse de croisière. C'est Villeneuve-le-Comte.
200 pieds, c'est mieux. Et là, on a l'espèce de cité-village. Ça, c'est bon. On passe par-dessus. Alors, ça, ça doit être une map de quand c'est en construction. Parce que maintenant, c'est... Il y a plus de bâtiments. Celle qui va vers Disney quelque part là-dedans. Alors là on écoute Latisse et compagnie. Là ça ce sont les maisons alignées de Bussy. L'autoroute est là. L'échangeur. Il ne doit pas être loin l'échangeur. Là, il y avait un appareil qui nous suivait, enfin qui arrivait. Ok. Autoroute A4, la maison. Alors qu'on n'a pas le même rendu visuel à ce niveau-là. Elle est beaucoup plus marquée que ça. La voie de chemin de fer, on est 2 minutes éco. Voilà, les chambres, très bien, allez, hop là. 1200 pieds. Croisière. Ça c'est bien. 60 fps. Face Paris, 60 fps. Alors là, 1200 pieds. Donc on va arriver comme une fusée. L'écho est droit devant nous. Le château de Ferrières qui doit être par là mais qui n'y est pas, et le point éco. Et en principe on a le terrain, voilà, il est là, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, 1200 pieds, c'est 1200 pieds dans l'UP. Voilà. Ah ben voilà, c'est mieux. Ok. Autorise approche directe 26 pour une option. Bon, les phares de roulage, c'est bon. D'accord, donc là, on se met en configuration. Donc, on ne cherche pas les lignes de tension qui n'y sont pas, mais elles sont droit devant. Là. Ok, j'ai l'axe. Allez, on est prêt. J'ai presque l'altitude déjà. On va rester. Bon, donc, de toute façon, on a cette chose-là, il y a une espèce d'amphithéâtre, là. Voilà. Donc là, il faudrait plutôt être 1000 pieds, 900 pieds, pardon. Ah, si, tiens, j'ai le papy. Voilà, ok, on garde 900 pieds, 150, j'aurais dû mettre un cran de volet. Ah, là, réchauffe la pompe. Voilà, 900 pieds, ok, voilà, c'est mieux comme ça. Et on relaxe. 150 km/h, on continue. On est combien? 1800 tours, ouais, c'est pas mal. 150 1800, ouais. On pense pour stabiliser le truc. Et, oh. C'est un petit peu de saut. Alors la biroute elle est pas là, elle est au milieu du terrain, c'est pas normal, là je réduis tout. Ok, je réduis tout. J'ai l'impression d'arriver comme une fusée. Thank you.
sur vitesse certainement. On garde un cran. On dépasse, on est parti pour un bas sauteur. On cherche 700 pieds. Donc là on voit que j'ai pas bien maîtrisé la vitesse, on reste à 20 degrés d'inclinaison. Donc trop rapide, atterrissage trop long, impitoyable. Alors on a le bâtiment jaune qui est là mais il n'y est pas. On revient sur l'est. 150 km/h, 700. Ça doit être l'essence. Ok, 700 pieds, la vitesse, on a dépassé l'arc-blanc. Essayer de faire un deuxième. La vitesse, pas bon. C'est mieux là. Alors un cran de volet, un pot, on avait parmi la réchauffe. Ok, rotation. Plus de réchauffe, la pompe, et on fait un deuxième bas sauteur et on se pose sur la piste en herbe. Olé. Donc là j'étais un peu trop loin. 20 degrés, 600 pieds. Sur du 0,8. Ah, je suis trop bas là. Ok, alors 700 pieds pour déclencher. 150. Descend pas aussitôt. Deux grandes volées. Terrain. Là je suis allé un petit peu trop loin. Voilà. Je sens qu'à 40, là je suis un peu bas, attention. J'ai réduit, les chevrons sont là. Allez, je vais essayer de faire l'exercice, de le maintenir, comme il me demandait hier. Voilà, tiens, là, tu vois, merde, hop, là j'y arrive. Et puis on va lâcher tout maintenant. Je maintiens l'assiette. Et on va toucher gentiment. Je maintiens le miro. Voilà, il vibre. Ah ben j'ai carrément été au bout de la piste. Pas mal du tout là en termes de comportement pour le coup là. Je dirais que c'est pas mal du tout. Et on va rechercher le coin. Et en plus il a bien bipé et tout.
Alors, on remonte les volets. Voilà, j'avais parmi la réchauffe, c'est pas bien. On passe sur la fréquence, le sol 26 gazonné dégagé, demande de roulage au parking, ça dit Fox, novembre Alpha, novembre Lima. Je roule, je croise, je roule, quitte à ça dit Fox, novembre Alpha. Et voilà. C'est un peu la jungle là, mais bon, on retrouve le tracé. Ah bah dis donc, va falloir faire venir. Alors tu tombes. Va falloir mettre un petit coup de tondeuse quand même. Bon, vivement qu'on ait le terrain de Dogne. Hein. Voilà. Absorbé par le paysage, j'ai oublié la ligne jaune. Salut gars. Bon, le restaurant il est rond, on est d'accord. Ils sont qui à pleine vitesse là. Ok, mi-piste. Freine, vire. Et nous là arrivés à Sadi. Casse-toi la voiture. T'as rien à faire là. Il va me percuter cet animal. Alors, pas trop bête. Donc voilà, ah, l'hangar est fermé, c'est ballot. Bien. Alors si vous n'avez pas vu le film de mardi, donc ça s'appelle PPL, panne moteur et IVV, interruption volontaire de vol. C'est disponible depuis cet après-midi. Ok. Alors, on se remet à... On éteint tous les bazars, on éteint la radio. Tiens. Je vais m'essayer à ça là, ça donne quoi. Ah, aussi. J'ai pas la check, hein, désolé Pierre. Si j'avais appuyé le front park, ça aurait été mieux. Voilà. On repasse ici. Ça, j'aurais dû l'enlever aussi avant. Ouais, ok. Alors, celui qui est allumé, c'était quoi? Bas niveau, donc là, c'est... Ouais, c'est ça. Donc, c'était bas niveau de l'essence. Excellent. Normal. Très bien, on éteint tout ça. On remonte les volets. On libère le frein. Tout va bien. Il y a un horomètre là-dessus. Ah ouais, il y a un horomètre. Ici au 10e, c'est pas terrible. Ok, j'aime pas quand je suis trop près là, pardon. C'est parfait. Si je fais un contrôle majuscule E, ça donne quoi? Voilà, donc il n'y a pas d'avatar. Bien, 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 bien. Eh ben, ce fut un vol fort sympathique. Au niveau de l'appareil, c'est pas mal du tout. Des bonnes sensations. Bon, j'étais concentré à faire 2-3 choses en même temps, mais globalement je dirais que ça m'a bien plu et ça me semblait correct. Ah, bien, si, oui, c'est ça. Donc voilà, à une prochaine fois pour une nouvelle expérience Flight Simulator ou SimPPL. Bye bye. Ah tiens, faut que j'essaye la radio maintenant. Ciao. Ah non, pas ciao. Si on regardait la carte. Voilà, alors. Je dirais que c'était à peu près ça dans l'idée au niveau de la trajectoire ici. Sauf que normalement j'aurais été plus haut, j'arrivais plus par là, mais j'ai pas reconnu le champ, donc forcément c'était pas simple. Après ici c'était bon, on a fait ça. Donc la trajectoire de mardi, assez conforme, hein. Clic, clac. Ensuite, on est parti par là, mais là, c'était pas tout à fait ça. Faudrait comparer. Je
mettre le lien avec la carte réelle. Ensuite, on est parti ici. Bon, ça, c'est normal. Et deux tours en basse hauteur. Bon, ça, c'était le premier qui avait foiré. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Premier ici. Voilà. Et deuxième là. Très bien. Bon, c'est pas mal du tout. Allez, cette fois, c'est la bonne. Bye.